Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est reparti pour une aventure, une nouvelle aventure sur le jeu Planet Base. C'est un jeu de gestion de colonies en fait. Notre objectif est de créer une colonie sur une planète lointaine. En fait, on reprend la même base que la NASA, que les agences spatiales en fait. On va faire la même chose qu'ils veulent faire, c'est-à-dire construire une colonie humaine sur une nouvelle planète. Et c'est ce qu'on va faire. Donc notre objectif, c'est de construire une base coloniale, une colonie sur une planète, de pouvoir réussir et de pouvoir en fait l'agrandir et ainsi appeler pas mal de monde, de nouveaux astronautes puissent venir et en fait à la fin être une base autosuffisante. Ouais. Viable. Donc on est parti, hop, on est parti. Comme on peut le voir, en fait, on a 4 planètes. On a juste la planète là qui est accessible. Les autres, il faut débloquer des étapes. Donc, soit avoir, je sais pas moi, une centaine de colons, soit réussir à avoir, je sais pas moi, 3 mines, voilà, c'est des trucs comme ça qui permettent, c'est des étapes comme ça où d'avoir construit un super laser pour se protéger des météorites. Voilà, c'est ça en fait. C'est en débloquant les étapes là, on a accès à des nouvelles planètes. Donc, du coup, on va commencer sur celle-là. On va partir. Bon, on va partir là, hein. C'est une planète qui ressemble un peu à Mars. De quoi on est parti? On commence. Notre petit vaisseau. Notre vaisseau qui arrive sur la planète avec les astronautes. Alors à peu près 6 ou 7 je crois. Donc voilà, nos astronautes qui sont arrivés sur la planète, qui descendent du vaisseau. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astronautes plus 2 petits robots. Donc on va mettre sur pause. Hein. Alors, les 3 qui sont là d'astronautes, ce sont des ouvriers. Chaque astronaute est spécifique, a un métier spécifique. Il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des biologistes. Les astronautes ouvriers, eux, ce qu'ils vont faire, c'est prendre les ressources, les porter d'un endroit à un autre. En fait, c'est des transporteurs. Et travailler dans les mines ou sur les machines. Les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est construire. Donc ils vont construire la colonie, donc les modules, les dômes, réparer les robots, réparer aussi et ben, tout ce qui est les appareils qui sont dans la colonie. Hein, je n'ai plus le nom en tête, mais comme on va aller dans une mine, on va récupérer des minéraux, il va falloir les raffiner. Et pour ça, il faut un appareil spécifique, une presse ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et donc eux, les ingénieurs, bah, ils vont réparer ça. Après, on a les biologistes. Bon, bah, eux, comme leur nom indique, en fait, ils vont s'occuper de tout ce qui est la nourriture, en fait, dans le dôme, dans la serre, ainsi que bah, peut-être. En fait, non, ils font que ça. Que les biologistes, ils s'occupent que de la serre, en fait. Et on a les médecins qui est là et que lui, bon, bah, pas besoin de faire un résumé. Hein. Le médecin, il va s'occuper des bobos, des coloniaux, ainsi que la fabrication de médicaments. Et on a des robots en plus, donc un transporteur et un constructeur. Le constructeur, c'est la même chose que l'ingénieur.
on va regarder vite fait. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis là, j'ai pas mal de place. Je vais pas rester m'éterniser trop longtemps parce que si je prends lui, il y a l'oxygène. Donc on va pas rester. Voilà. Du coup, je pense qu'on va partir de là et là, je vais faire une mine. Donc hop, on va construire. Première chose, un sas. Le sas, il va être là. Deuxième chose, le truc de CO2. Hop, hop, on relie ça. Extracteur d'eau. Ici. Panneau solaire. On va le mettre là. Voilà. Afin que j'ai de l'oxygène. Comme ça, mes petits gus, ils peuvent aller directement là. Et ils pourront survivre. Parce que là, comme là, ils ont une autonomie d'oxygène. Donc je peux pas les laisser là. On va juste accélérer un petit peu. Hein, pour que ça aille un peu plus vite. Donc comme on voit mon ingénieur hein, qui construit. Ainsi que mon petit robot qui va construire aussi. Oh, on a une météorite qui est tombée. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Alors attends, on va aller moins vite. Tac, ici. Je vais mettre une éolienne aussi. Pour la nuit. Panneau solaire, c'est bien. Pour le jour, il y a du soleil. Mais la nuit, il n'y a pas de soleil et il y a du vent. Donc avoir une éolienne, c'est bien. Et deuxième chose à faire aussi, c'est pas là, c'est ici. C'est un accumulateur pour stocker l'énergie. Voilà. Donc on accélère un petit peu. Donc là, on est déjà pas mal. Construire. C'est pas ici. C'est ça, la mine. Normalement, ça devrait aller. Je devrais avoir de la place pour construire une mine ici, non? Ah ah. Alors, hop, deuxième chose, on va construire non, pas ça. Alors, il est où? Il est où le truc? Mince. Ah, l'entrepôt, voilà. Est-ce que je le fais comme ça? Non. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Hop. Ici. Comme ça, hop, on fait recycler. Voilà. Alors on accélère un petit peu. Comme ça, ils vont récupérer tout le matos, toutes les ressources. On va le mettre là, comme ça, on est bon. Après, on va construire un réfectoire. On va de toute façon on va se développer hein. On va partir là et puis partir là, donc j'ai de la place là. Donc là ils vont récupérer toutes les ressources et ils vont le mettre ici et on va créer comme je disais un réfectoire. On va le faire là, hop, toi tu fais ça et là aussi, comme ça on est bon. Et on va créer un petit dortoir. Non, on va construire un petit pour le moment. Et hop là. Et là, je crois que je sais. Non, je peux pas. Je pouvais que le mettre là. On va accélérer un peu. Oula, météorite est tombée.
Voilà. Hop, oxygène qui est là, on est là, on a l'entrepôt qui est là. On est en train de construire le réfectoire. Maintenant, on va le... Une table de 2, une table de 4 colons. Alors. On va le mettre ici. Il faut qu'il puisse manger. On va le mettre là pour qu'il puisse boire. Là. Ici. Qui récupère. Non, ça a marché. Ah, il peut pas. Ah mince. Non. Attends. Voilà. Hop, si, et petite télé pour se divertir. Voilà, hop, accéléré. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le dortoir. Alors, on va construire. Hop, on va commencer à construire des lits qui puissent dormir. On va en faire un et on va en refaire un deuxième. Ça là c'est bon. Ah oui, et la touche tab c'est pour en fait le toit. Comme ça on voit mieux. Là il récupère là, ok. Les outils dorment, oxygène, c'est bon, c'est bon. Alors, après, j'en ai ici une chambre. Alors, le biodôme qu'on va construire directement tout de suite, on va le construire là. 5, non. Pour le moment, on va rester à 2-2. Hop, ici. Comme ça, on va commencer à faire à produire de la nourriture. Hop, on accélère un peu le temps, la vitesse. Alors, normalement... Ah voilà, il est, j'ai vu. J'avais réussi. Il est là. Je pourrais construire la mine là. Ok. Donc on va pouvoir construire les autres trucs après, les autres structures. Déjà, on va s'occuper de la mine. Hop, on va installer rapide et entretien élevé. Riche en amidon. Pommes de terre. Ça, c'est bien, mais c'est en entretien élevé. Donc, on va commencer par un petit peu. Hein. Pas besoin d'entretien énorme. On va commencer par un petit truc. Pommes de terre, du blé, maïs.
J'aurais dû le faire en... Ouais, c'est pas grave. Parce que là, il me faut de l'amidon. Il faut du bioplastique. Donc, le bioplastique, c'est avec des amidons. Riche... Hop. Petit poids. Rapide entretien élevé. Là, on est bon. Hop. Et là, ce sera mes biologistes. Et donc là, on avait quoi? Des petits pois, des tomates. On va mettre des pommes de terre aussi. Comme ça, on est tranquille. Et pour le moment, on va faire ça. Et je pense qu'on va améliorer d'autres trucs. Il y a encore des ressources là? Ouais, il y a encore des ressources. Là, ils sont... Ouais, il est qu'à 40%, donc il pourra tout mettre. Ah bah lui, il a besoin de... d'entretien. Donc ça va être un ingénieur. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est le moral. Mais bon, normalement, je dois avoir la télé. Donc ils sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bah là, on est bon. Là, on a dit qu'on avait notre... On pourra mettre notre mine ici. Donc, ils pourront aller là. Ça, c'est bien. Et bah, du coup, on va pouvoir construire... Hein, Alors, l'usine. L'usine, on va la mettre... Et bah, on va la mettre ici. Hein. Là, je vais laisser là, et puis je vais la construire là. Ouais, donc je disais, l'usine, on va la mettre là. Petite usine. Pour le moment, j'ai pas besoin de faire des gros trucs. Hein. Et je vais en même temps commencer à faire une plante médicinale. Voilà, comme ça, c'est fait. Je prévois ça. On a notre usine qui est là et il nous faudra de l'amidon, beaucoup d'amidon. Il faut que je remonte l'amidon là. Donc le bioplastique. Donc là c'est bon, là c'est la nourriture et là. Deux trucs de bioplastique. Donc normalement deux trucs de l'amidon pour le bioplastique. Donc c'est pas mal. Ok. Hop, là on a du coup transforme du bioplastique en amidon. Fabrique du bioplastique à partir d'amidon. Donc on va mettre ça. Fabrique du métal à partir du minerai. On va en mettre pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais mettre un deuxième transformateur comme ça. On va récupérer le bioplastique, les amidons pour faire du bioplastique. Donc on accélère un peu la vitesse du jeu. Hop, comme ça, c'est fait. C'est mes ouvriers qui vont aller là de toute façon. Et bah les réserves de nourriture, non, ça va le faire, hein, ça arrive. Hein. On a 3 amidons, donc logiquement, 3 amidons, ça nous fait pas gagner 3 bioplastiques. Donc, comme j'en ai 2, j'ai 3 trucs d'amidon. Voilà. Donc on a la nourriture, c'est bon. On va regarder, mais je crois que c'est ça, c'est un amidon pour 3, un bioplastique, ouais, bah c'est ça. Donc ça c'est bien. Hop là, t'as 10. Pour le moment je pense qu'on va faire peut-être une deuxième serre et on va peut-être modifier. On va faire 2 serres. Je crois que le mieux c'est de faire 2 serres. Une serre spécifique où on fait de l'amidon et une serre spécifique où on fait de la nourriture.
Pour la deuxième chose, c'est l'infirmerie. L'infirmerie qu'on va mettre pas ici. Voilà. Comme ça, ça va soigner les bobos de nos ouvriers là, de nos colons. Bah tiens. Oui, il a besoin de réparation. Et bah du coup, en fait, on va construire directement l'usine. Je pense. Tiens, non, avant, on va construire un truc important, c'est... stock la réserve d'eau. On a un extracteur d'eau, mais on n'a pas de réserve d'eau. On va mettre une petite citerne. Je vais quand même mettre une un peu plus grosse. Comme ça, on est sûr que... voilà. On va mettre là. Alors, faut que je me rappelle, c'était où. Voilà. Donc c'est ce qu'on a, d'accord. Là c'est le graphique qui est réseau. Ah voilà, CF4. Énergie 25,50. Consomme 25 watts et produit 48. Ok, et l'eau. Il en produit 3, des boîtes, on en consomme 2. Ok, bon bah là on est bon. Pour 20. Ok, on est bon. Là, on va construire un lit d'hôpital. Hop, ici. Et pour le moment, je pense qu'on va en rester un. On va recycler celui-là. J'en ai un, ça me suffit pour le moment. Et les pièces détachées, j'en ai 10, donc on est bon. On va construire ça, c'était quoi? L'usine, c'est la fabrique. Donc on va mettre juste à côté aussi. Hop. Voilà, comme ça on aura la fabrique et on va commencer à construire un peu la mine. La mine pour les gens. Comme ça, mes ouvriers vont pouvoir aller juste après. Hop, on est parti. C'est toujours maximum, ouais, c'est maximum. Hop, là, c'est bien, ils peuvent dormir. Là, ils sont là. Là, on est bon. Donc c'était où? Non, c'était pas ça. Là on avait ça. Non, je sais plus. Et là on va construire. Alors, pièces détachées. Non, au moins c'est ça. Pièces détachées. Ça, ça c'est fait et on m'a dit qu'on va construire tout de suite la mine. Alors je sais plus où elle était. J'avais réussi. Là. Ah. D'accord, donc il faudrait que je fasse un centre de contrôle. Mais comme j'en ai pas, centre de contrôle il est où? D'accord, ça deux de chaque. Ouais, on verra ça après. Pour le moment, on va construire l'essentiel.
Oui, il a besoin de fatigue. Il a un peu besoin de repos. Là, hop, la mine, c'est fait. Comme ça, mes ouvriers vont pouvoir aller dedans. Et voilà. Les ouvriers, j'en ai combien là? Non, c'est pas ça. F2 ou F3? Ah. Les ouvriers, j'en ai 3. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà. Et la mine, ah oui, il faut que je... Je relis la structure. Ça, c'est bon. Là, ils sont partis là. Lui, il va relier à la structure. Comme ça, c'est fait. Et il pourra être alimenté en électricité. Ah, réserve d'électricité faible. Ah ah, donc j'ai pas assez d'énergie. Ok. Non, ça. Construire un deuxième panneau solaire. Voilà. Ça en est bon. Et peut-être construire un deuxième accumulateur. Ça va aller beaucoup plus vite. On va avoir un peu plus d'énergie. Voilà, en plus avec deux panneaux solaires, hop, ça devrait repartir, je pense, l'électricité. Énergie, on en produit 361 et on produit, ouais, c'est ça, une soixantaine et on en consomme 30. Ok, donc on est bon. Là, au niveau énergétique, on est bon. Donc j'ai mes ouvriers qui sont là. Un qui vont à la mine, ils vont récupérer les minerais. Tout ça, il me faut, hein, parce que là, je suis en manque de minerais. Donc je pense qu'ils vont aller à fond là-dessus. Voilà, il récupère le minerai qui va aller à l'atelier. Et non, c'est celui-là. C'est celui-là, j'ai oublié. Voilà, ça, celui-là, il produit du truc. Ah. Je suis un peu dans la mouise. C'est pas grave. On le recycle. Oui. Vas-y. Ça, tu récupères. Ouais. C'est pas grave. Ça va revenir. C'est juste, voilà. J'ai mal calculé, en fait. On va se précipiter sur ça vite fait. Il faut qu'il se dépêche de le faire en priorité, celui-là. J'avais complètement oublié la fonderie. C'est celui-là qu'il me faut. Pièces détachées, j'aurais pu attendre un petit peu, mais c'est pas grave. Il me faut celui-là pour voir là. Ça, j'ai deux minerais. Voilà. Autonomie atteint. Là, on a le soleil. Voilà. Normalement, les deux minerais vont arriver et il va me faire deux trucs. Donc là, je peux commencer à les construire. L'accumulateur. Refaire. Relier ça. Là, j'ai personne. Moi, j'en ai un qui est là. J'ai un ouvrier. Ça doit être lui, je crois. Ouais. Voilà. Il est parti. Hop. Donc on va juste attendre qu'il me fasse ça pour les accumulateurs. Ce qu'il me faut.
Normalement, ça devrait le faire. J'espère. Mais normalement, oui. Parce que là, on a 3 minerais. Donc ça devrait être, voilà. On a assez pour faire du métal. Du bioplastique. Et pièces détachées qu'on aura besoin. Et pièces détachées, c'était, il me fallait ça. Attends. Ça me sert à rien pour le moment, j'en ai assez pour. On va plutôt se concentrer sur le plus important. Ah oui, mais j'ai ça aussi. Et on va repartir sur une nouvelle éolienne. On va mettre une deuxième éolienne pour le soir. Dépêche. L'infrastructure, on va la désactiver. Hop. Comme ça, ils vont être plus importants. Ça va être ça. Surtout que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 3 minerais. Donc logiquement, ils devraient être... Mais on va pas s'emmerder. On va le faire direct. On va faire ça. Recycler ça. Oui. Recycler ça. Oui. Voilà. Comme ça, c'est bon. Comme ça, ils vont créer les trucs qu'il faut là-haut. Les pièces détachées, on verra ça après. Le plus important, c'est ça. Donc on va se quitter là-dessus. Hein. J'attends qu'ils finissent les autres trucs. Il s'agit de 2 panneaux solaires, 2 éoliennes, 2 accumulateurs. Donc, normalement, je devrais être bon au niveau électricité. Je devrais être bon partout. Je devrais être en positif. Là, j'ai 4 amidons. Normalement, ça me ferait 4 de plus en bioplastique. Là, j'ai les trucs. Voilà. Ça, il se concentre uniquement sur... Là, j'en ai pas ici. Donc, voilà. Bon. On va s'arrêter là. Je pense qu'il va falloir que je me concentre sur les matières premières avant. C'est l'amidon, le bioplastique, je veux dire, et le métal. Donc on va se concentrer là-dessus. Surtout que j'ai 2 de minerais, donc je devrais pouvoir pouvoir faire pas mal de machins. Donc il va falloir que je reconstruise là. Donc on verra ça pour un prochain épisode. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous. Et à la prochaine.